Alors, quel est le programme de la semaine au cinéma? Maigret avec Gérard Depardieu. Maigret, c'est un policier, c'est un personnage des romans de Georges Simenon. Il y a eu plein de films sur Maigret et ça, c'est le dernier avec Gérard Depardieu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Maison de retraite, comme son nom l'indique, ça se passe dans une maison de retraite où un jeune doit effectuer un travail d'intérêt général. Donc c'est une comédie, super-héros, je pense que j'en avais déjà parlé. La vraie famille. Les promesses. King, j'en avais déjà parlé. Pour les enfants, Hopper et le hamster des ténèbres. Vaillante pour les enfants, le destin de New York est entre ses mains. Les jeunes amants, presque, on ne naît pas homme, on le devient. Donc là, on reprend ce que disait Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient, mais avec la version masculine, avec Alexandre Jolien et Bernard Campan. Alexandre Jolien, c'est un philosophe. Et Bernard Campan, c'est un acteur, mais qui est très connu pour ses sketchs d'humour dans un trio qui s'appelait Les Inconnus. Et les documentaires, La réussite, le lac Baïkal, Au fil du Transsibérien. Voilà pour le programme cette semaine au cinéma.